Chut, plus. John, de retour parmi nous, le temps d'une journée. Magnifique. Au match amical avec des jeunes de 17-19. C'était un très bon match. Les deux équipes, ils ont bien joué. Mais bon, on a perdu 1-3, mais c'était un très très bon bel match à jouer. Bon, pour les gamins. Ceux qui ne sont pas au courant, c'est des jeunes de ton académie de football, la John Utaka Football Academy, qui était là présent ce matin. Oui. Explique-nous un peu ce que c'est. Tu nous en avais parlé déjà en 2012-2013, mais explique-nous un peu. C'est comme une centre de formation de chez nous que j'ai créé en 2015. Donc c'est, l'idée c'est pour rassembler des jeunes joueurs au Nigeria et essayer de venir en Europe faire des tournois, essayer d'apprendre le football de haut niveau, les disciplines et tout ce qu'il faut. Et moi, je pense que c'est très important pour venir ici, pour jouer avec des équipes en Europe, pour bien avancer. Ces jeunes, ils viennent de quelle ville? Ils viennent de tout le pays Ils viennent de tout le pays. Ils viennent de tout le pays, dans tous les quartiers du pays. Donc voilà, ça fait qu'on a une bonne équipe de football d'un peu partout. Là, vous faites comme une tournée en France? C'est comme une tournée, on a trois voire quatre matchs à jouer. Aujourd'hui, on a fait Montpellier. Après, on va jouer Nîmes dans 3 jours. Après, on joue Lyon. Et après Lyon, peut-être qu'on joue contre Girona ou une autre équipe. On ne peut pas dire que c'est l'après-carrière parce que tu joues encore un petit peu. Tu l'avais déjà préparé depuis un moment, tu dis depuis 2015, même avant. Oui, même avant. Ça fait un moment que j'ai cette idée. Donc, mais bon, pour bien structurer des choses, il faut un peu de temps. Donc, il m'a laissé un peu 2 ans pour bien mettre des choses en place. Et maintenant, c'est bon, ça y est, nous, on a tout ce qu'il faut pour l'académie. C'est quelque chose qui te tenait à cœur depuis un moment de travailler avec les jeunes de ton pays? Toujours, parce que moi, je sais que c'est difficile pour un certain d'avoir une opportunité pour avoir une académie où ils vont s'entraîner, tout ça. Donc, parce que la plupart des jeunes, ils commençaient comme moi. Au début, quand je jouais, j'avais rien sans moi. Je n'avais pas même de sociaux de foot, j'en avais pas. Donc, pour moi, c'est une opportunité de leur donner une sens de progression. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et je sais que ça va leur faire du bien de visiter l'Europe, de jouer, d'intégrer avec l'équipe en Europe. Voilà, donc ça fait plaisir. C'est quoi un peu la philosophie que tu essayes de leur inculquer à travers cette académie de football et de vie? Pour moi, c'est il faut quoi en Dieu, il faut quoi en toi, il faut croire que tout est possible. Pour moi, il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut faire. La devise, c'est quoi d'ailleurs? Hein? La devise de l'académie, c'est quoi d'ailleurs? Believe in yourself. Crois en toi, parce que tout est possible. C'est quoi les valeurs essentielles pour toi pour devenir un jeune footballeur professionnel? Oui, c'est ça. Même un homme, tout simplement. Voilà, non, mais il faut qu'il y ait une discipline surtout. La base, respect et discipline. C'est plus important. Et une attitude aussi, parce que moi, je dis souvent qu'une attitude, il peut t'amener où le travail ne peut pas t'amener. Donc, une bonne attitude, c'est ce qu'il faut. Avec le travail, bien sûr. Venir jouer contre des jeunes du centre de formation de Montpellier, ça coulait de source, hein? Non, mais c'est une très bonne équipe de Montpellier. Mais bon, nous, on savait que, voilà, que ça jouait au football. Donc, nous, on a appris beaucoup de choses. Et ce qui est bien, c'est que les enfants, ils ont bien amusé. Et de là, on continue à progresser. Ce que je voulais dire, c'était en tant qu'ancien joueur de Montpellier, ils se devaient de faire un match à Montpellier. Tu devais les amener. Moi, il faut commencer par là. Parce que voilà. Ça m'a laissé des bons souvenirs aussi, parce que moi je suis à la maison. Tu es à la maison, on a vu que tout le monde venait te saluer. Ouais, je suis à la maison, donc, saluer tout le monde, ça fait plaisir, ça fait plaisir toujours. Et quand je reviens, ça me rappelle beaucoup de choses. Justement, tu suis toujours un peu Montpellier, oui, HSC, oui, son parcours. Oui, c'est toujours, toujours. Ça fait plaisir de les voir un peu plus haut que ces dernières saisons. Bah. Non, c'est bien parce que là, ils sont capables. C'est possible aussi de chercher l'Europe. Donc dans le football, on sait que ça peut changer, un match peut changer beaucoup de choses. Mais on a vu quand on jouait pour le titre, que voilà, il faut quoi jusqu'au bout. Et moi, je leur souhaite surtout que ça qualifie pour l'Europe, quoi. C'est le plus important.
Bon, on a vu que tu as du mal à raccrocher les crampons. Hein. Bah non. Ta carrière aujourd'hui, c'est quoi? C'est Sedan toujours? Non, c'est. Voilà, on verra l'année prochaine, mais je ne resterai pas à Sedan l'année prochaine. Donc moi j'ai dit que voilà, c'est après sur mon victoire personnelle, c'est pour trouver un championnat de France ou de Ligue 1, je ne sais pas quelle équipe, que voilà, je montre que je suis capable de faire. Parce que, après, parce que quand tu n'es plus dans le picture, en fait, les gens ils oublient, il y a beaucoup de questions posées. Ouais, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il peut. Après, ils ont raison, parce que ça fait un moment qu'ils ne m'ont pas vu. Donc maintenant, après, s'il y a quelque chose, voilà. Parce que normalement, je dois aller en Amérique du Sud, mais j'ai refusé. On parle de toi, oui, en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, ouais, mais bon, à cause de mon petit, je ne peux pas voyager encore loin de. Parce qu'il doit rentrer à l'école, il doit apprendre la langue française. Donc c'est pour ça, voilà, il faut faire un choix. Et voilà, donc il y a toujours la possibilité pour continuer à jouer. Tu vois Vitorino Hilton que tu as connu à Montpellier qui continue jusqu'après 40 ans, ça te donne des idées? Oui, parce que c'est la volonté, c'est l'envie. Donc quand tu as l'envie. Aussi. L'amour de foot surtout, parce que si t'as pas de, s'il n'y a pas de l'amour de foot, il n'y a pas de volonté, ça sert à quoi? Donc voilà, il continue à jouer, donc ça veut dire qu'il voilà, il aime le foot, comme sous les camarades aussi. Même que dans les autres clubs comme Troyes, bah, avec Benjamin Nivet, tout ça, voilà, c'est des gens qui aiment le football, donc rien à l'empêcher de jouer. Tant que tu es capable, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Le jeu que tu n'as plus envie de faire, donc ça veut dire que tu n'as plus envie de faire. Et quand tu as la pêche, voilà. C'est ça, ils l'ont gardé. Il y a le jeu collectif qui s'est rajouté, mais cette notion de jeu vers l'avant rapide qu'ils ont conservé, qui est intéressant. On t'a vu parler à ces jeunes footballeurs sur le terrain. C'est quoi un peu tes conseils là, aujourd'hui, même quand tu vas rentrer à l'hôtel avec eux, tu vas leur parler, tu vas leur dire quoi? Non, pour leur dire tout simplement, il faut continuer à progresser. Il faut voilà, continuer à bosser, il faut respecter ce que tu fais et quoi, surtout que tu peux faire des choses, tu peux gagner des matchs, même si tu joues contre je ne sais pas qui. Et parce que c'est possible de le faire. Avec le travail, pour moi, quand je fasse une équipe dans ma tête, j'ai envie de gagner. C'est ça l'idée. Sinon, je reste à la maison. Voilà. John, un petit mot pour. Salut les supporters. Ouais, toujours. Moi, j'adore le support à Montpellier, on sait, de début. Donc, je vais utiliser cette opportunité pour le remercier encore, pour ce qu'on a fait, ce qu'ils ont fait avec nous l'année que j'ai passée ici. Et ça me fait plaisir à chaque fois que je reviens à Montpellier, parce que voilà, on a fait de belles choses. Et je souhaite que ça continue avec les autres joueurs qui sont là pour qu'ils arrivent à faire un truc pour que la fête continue. Tu es passé dans le vestiaire, les saluer. Oui, il y en a de moins en moins que tu as connu dans le vestiaire. Oui, il y en a connu, ben, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein, c'est... mais bon, j'ai passé leur saluer. Donc, voilà. J'ai vu Vito, j'ai vu Kamara, Congrès. Donc voilà. Ça fait plaisir. You can't see me.